est écrit « Les menteurs n'entreront pas au ciel ». Gardez-vous de la doctrine de ce monde. Les menteurs n'entreront pas au ciel. Perdras-tu ton salut à cause d'un mensonge fait à la CAF ou aux impôts? À cause d'un petit mensonge de ta vie quotidienne? Un mensonge inoffensif et dérisoire, conforme à la politesse, à l'éducation de ce monde? Mais un mensonge quand même. Qui t'a appris qu'il y a des petits et des gros mensonges? Autrement dit, des petits et des gros péchés? Réponse, ton éducation et ta religion du monde. Mais qu'est-ce que Dieu t'a déjà révélé? Ton vêtement un peu sale est-il encore acceptable pour être porté? Ta nourriture un peu périmée est-elle encore bonne pour ton assiette ou celle de tes enfants? Comment un homme un peu pécheur serait-il encore acceptable pour le ciel? Le royaume de Dieu n'est-il pas saint, c'est-à-dire parfait? Il est temps de rejeter la mauvaise éducation de ce monde et de rechercher, d'écouter, la révélation de Dieu. Sinon, tu n'entreras pas au ciel. Pour toi qui ne désires pas spécialement entrer au ciel, demande-toi pourquoi et qui a bien pu te mettre une telle mauvaise idée dans la tête. Comment la mort serait-elle préférable à la vie? Ne savez-vous pas que le Créateur a déclaré que toute âme vivra éternellement? Matthieu 16, verset 2. Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite. Vous savez bien discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et Jésus leur dit, voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Pharisien, mot grec pharisaios, vient du verbe parache, rendre distinct, déclarer, distinguer, séparer. Les pharisiens sont donc ceux qui sont vus comme les distingués du peuple, ceux qui déclarent et qui éclairent le peuple. Sadducéen, mot grec sadoukaios, vient du mot grec sadoc, juste, droit. Les sadducéens sont donc ceux qui sont vus comme les justes, les droits, ceux qui constituent donc une référence de vie aux yeux du peuple. Matthieu 15, verset 6, « Vous annulez le commandement de Dieu par votre tradition. » Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous en disant « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Mais il m'honore en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Puis, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez ceci, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'être humain, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'être humain. » Amen. Il est écrit, les menteurs n'entreront pas au ciel. Gardez-vous de la doctrine de ce monde. Qui t'a appris qu'il y a des petits et des gros mensonges? Autrement dit, des petits et des gros péchés? Réponse, ton éducation et ta religion du monde. Comment un homme un peu pécheur serait-il encore acceptable au ciel? Le royaume de Dieu n'est-il pas saint, c'est-à-dire parfait? Il est temps de rejeter la mauvaise éducation de ce monde et de rechercher, d'écouter la révélation de Dieu. Sinon, tu n'entreras pas au ciel. Et Jésus leur dit, voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, ceux qui sont vus comme les distingués, les justes, les droits aux yeux du peuple.
vous annulez le commandement de Dieu par votre tradition. Il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'être humain. Gardez-vous de la doctrine de ce monde.